Les baratins de Marisette. Bla 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 bla. Boum. Bla 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 bla. Tiki tiki. L'île au câlin. Karl Norak et Claude Cadubois. Aujourd'hui, Lola va rester seule à la maison, pour la première fois. Maman lui fait son câlin préféré. Si tu te sens seule, lui dit papa à l'oreille, tu peux aller chez la voisine. Dès que papa et maman sont sortis, Lola pense déjà. Ici, il n'y a plus personne pour me faire un câlin. Et moi, je n'aime pas la voisine. Même à la télé, dans les dessins animés, personne ne pense à se câliner. Que faire ? Se demande Lola. Je ne vais pas bouder, il n'y a personne pour me regarder. Soudain, Lola a une idée. Je vais apporter ici tout ce qui est doux et je vais construire mon île au câlin. Une couverture, un oreiller, c'est doux. Les seaux et les balais, pas doux. Le papier rose et blanc, c'est doux. Les casseroles, pas doux du tout. Dans la cuisine, tout colle, plus rien de doux. Les serviettes de bain, c'est câlin. La poubelle, ça pue et c'est pas doux. Le dinosaure en peluche rose, il est moche mais qu'est-ce qu'il est doux. Ça alors ! S'écrient papa et maman. Au milieu du désordre, ils finissent par voir une boule de fourrure endormie. Bienvenue sur mon île au câlin, s'écrie Lola en se réveillant. Lola se fait gronder. Elle doit tout ranger. C'est dur de ranger. Ça dure de ranger. Papa et maman sont déjà moins fâchés. Nous allons t'aider, Lola. Maintenant, je n'ai plus d'île, dit Lola. Mais nous sommes là, mon cœur, tout près de toi. Lola n'arrive pas à s'endormir. Ce soir, son lit n'est pas assez doux, pas assez chaud. Alors, elle a une nouvelle idée. Sur le bout des pattes, elle se glisse en silence hors de sa chambre. L'île au câlin, cette nuit, c'est ici. C'était l'île au câlin.